Je vous demande d'applaudir notre premier invité, tout droit venu de chez lui, amené par les filles de Barbazian. C'est un plaisir. Faites entrer Grégory Le Marchal. Bonjour. Voilà, donc l'émission est terminée. Il est temps de rentrer. Ça va? Vous aimez Paris, c'est très joli. Paris. J'adore. Là, là. On se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais pourquoi on n'a pas une démonstration un peu là? Oh putain. Oh putain, quel cul. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Comment ça va, Grégory? Ça va très bien, merci. Enfin, bienvenue chez nous. Bah, merci de m'accueillir. T'as vu tout ce public spécial, tout en moustache et en habillé en costume de... Elle est où la tienne? De ne sais pas quoi. Oui, t'as... Je sais pas, on m'a pas prévenu. Ah, je l'aurais laissé pousser, il m'aurait fallu une semaine. Mais... Oh là, t'es pas du genre trépileux? Ça a du mal à pousser quand même. Hein. Ah ouais, nous aussi. Nous aussi, nous avons eu quelques problèmes. Bah, je tiens d'ailleurs Là, ça se voit, hein, parce que là, il ne reste pas et il y a du duvet encore. Ah, c'est pas mal. Il y a du duvet. Il y a du joli petit duvet. Donc, je rappelle quand même que tous les prochains invités, je dis ça notamment pour ceux qui sont en coulisses, devront absolument se faire pousser la moustache. De quel moyen, je ne sais pas. Mais ils devront, entre là-bas et ici, ils devront tous avoir une moustache. C'est obligatoire. Tu vas rester avec nous, on parlera du film dans un instant, Grégory. Avec plaisir, ouais. En tout cas, si vous voyez l'affiche du film Zigzag, vous voyez marqué Grégory de Le Marchal, je rappelle que c'est pas Grégory qui joue le zèbre. C'est avec la voix de... Il est bien déguisé. Oh, c'est super bien le zèbre. C'est quel personnage que tu fais? Bah, je fais le zèbre, je fais C'est lui. Zigzag. T'as le maquillage, c'est énorme. Hein. Ah, tu peux nous... Ça me ressemble pas, hein. Des heures de maquillage. Tout à fait, maintenant que tu le dis, c'est le zèbre. Et Lucie, elle fait quoi? Attends. La jument. Ah bah... Eh oui. Ah ouais, forcément. Je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu regardes... Vous avez je regarde si ça fait le zèbre. C'est la même taille que le zèbre. Oui, bon, il fait le zèbre jusqu'en haut. Voilà. C'est le zèbre, c'est pas un zèbre, c'est un puma. En bas, il y a eu une doublure. Bon, en attendant, je reste avec nous dans un instant, on va te présenter notre groupe, puisque notre groupe qui est ici présent, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il chante. Eh oui, exactement. Eh oui, notre groupe, ils font des petits baloches, des petits trucs comme ça pour s'amuser, pour ramener 3 francs 6 sous, pour avoir du couscous dans la gamelle en fin de saison. Et donc, Grégory, tu as quand même gagné la Starac, tu vas pouvoir en dire ce que t'en penses. C'est vrai, tiens. Mais je vous assure que c'est pas une blague, pour la première fois, vous allez entendre ce qu'ils font. Et notamment notre camarade, le chanteur. Grégory, dans un instant, on présente un garçon qui s'appelle Alexandre Pell, que tu connais certainement. Ah. Qui est un garçon qui a à peu près 2 minutes le temps pour se laisser pousser la moustache. Voilà. C'est pas facile. Hein. Comme ça a le mérite d'être clair. D'accord. On parlera de l'histoire du film Zigzag, qui n'est donc pas un film zoophile, que les choses soient claires. Non. J'adore cette présentation. Ça aurait pu, hein. Zigzag. Zigzag, l'histoire d'un zèbre. Quoi que le cheval derrière le zèbre, c'est limite. Un coup dans le zig, un coup dans le zèbre. Non, c'est un film, écoutez, c'est un film rigolo pour les enfants. Oh. Arrêtez un peu, t'as de la déconne. Le produit. Merci. Bon. Enfin, moi, je vais vérifier l'histoire quand même. Ne bougez pas, on en parle dans un instant, promis, dans un instant, notre groupe en live pour la première fois au monde. C'est la dernière, faut leur donner la chance. Et tout de suite. En attendant, il est temps également autour de la table. Grégory Le Marchal est avec nous, Zigzag, un film. Il fait la voix, ça sort le 27 juillet. Il y a l'album de Grégory Le Marchal, Je deviens moi, obligatoirement. Le nouveau single qui s'appelle Je suis en vie. Putain, on a eu peur, hein. Putain, on t'a vu là, on a eu peur, on s'est dit je suis en vie. Ah, ça va. On était inquiets. C'est le nouveau single. C'est le nouveau single, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce qu'il y a? Elle te plaît pas la photo? Ah, très bien. Tu regardes quoi là? Non, rien. Non, mais vas-y. Bah, non, mais il regarde juste les sourcils. Pas du tout. Ouais, mais si, c'est le fils d'Emmanuel Chan, c'est ça? Il y a rien de parler. Non, mais en off, j'ai eu le malheur de lui dire que. T'as mis des faux sourcils parce que t'avais pas de moustache. Je n'aimais pas la photo, je lui ai dit parce que les sourcils n'étaient pas épilés. Ne jamais me dire ça.
Il a fait l'émission moustache, mais au-dessus des yeux. Oui, voilà, exactement. T'as suivi le thème, au même endroit.